Brad Pitt ne lâche pas, l'acteur avait subi un sévère revers judiciaire en juillet dernier quand le juge en charge de la garde contestait les enfants que la star a eus avec Angelina Jolie, John Oderkirk, a été disqualifié. Depuis, l'acteur a décidé de faire appel de cette disqualification. Le juge en question avait statué en faveur de Brad Pitt, lui permettant de voir plus souvent ses enfants, mais sa revocation entraînait l'annulation de sa décision. Angelina Jolie avait demandé la disqualification de John Oderkirk, expliquant qu'il ne pouvait être partial dans son jugement, puisqu'il avait des liens avec l'équipe judiciaire de Brad Pitt. Apple a obtenu une copie de l'appel de pause par les avocats de l'acteur de Once Upon a Time. Il ne peut lire les arguments avance, notamment que la disqualification du juge risquerait d'ouvrir la porte à des contestations de disqualification à tout moment d'une affaire, même si la partie qui présente la motion est depuis longtemps informée des motifs à l'acte de disqualification. Les représentants légaux de Brad Pitt assurent en effet qu'Angelina Jolie, contrairement à ce qu'elle affirme, était informée depuis longtemps des liens entre le juge et les précisément depuis 2016. Lorsque Oderkirk a été choisi, et que les avocats des deux parties ont fait la liste de leurs liens avec lui. Or, l'actrice de Maléfique a attendu que le juge statue contre elle pour contester sa nomination. Après plus de 4 ans de litiges contentieux, dont chaque jour a été préjudiciable aux enfants, et à leur père, une décision importante et réfléchie concernant la garde des enfants sera entièrement annulée à la suite d'une erreur administrative qui n'a rien à voir avec le fond du litige concernant la garde, affirment les avocats.